Salut les amis, aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 avril et nous sommes allés faire une petite plongée ce matin avec l'équipe Tiama où j'ai eu un cours particulier et intensif avec Béa et Steph étant à la caméra où j'ai fait un petit perfectionnement de stab etc. au fond. Bon, je fais pas cette petite courte vidéo pour ça, mais c'était juste pour vous dire ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Kiki était à la vigie sur le bateau de Tiama pour montrer aux autres bateaux aux alentours qu'il y avait donc des plongeurs. N'est-ce pas Kiki? Oui, c'est ça. Et là, je m'apprête donc à installer un deuxième écran, un écran extérieur que j'avais, en somme je l'avais en réserve, en prévision. Donc moi j'ai un BNJ, un 9 pouces, qui est actuellement à poste. Quand j'avais acheté le bateau, il était là, donc tout l'équipement, le radar, etc. J'avais tout éteint, on peut voir là. Donc là c'est les fiches d'alimentation, le radar et le... Tout ce qui est NMEA 2000, etc. se trouve ici à l'arrière. Et j'ai celui-ci que j'avais acheté à Toulouse, que j'avais amené dans les bagages, qui est tout neuf et que j'avais gardé en secours au cas où. Et là, j'ai entrepris de l'installer parce qu'il s'avère qu'en alimentation, en faisant une alimentation, en le mettant en alimentation, et de connecter juste le NMEA 2000 sur la prise, j'avais toutes les informations à part le radar. Or le radar, j'ai acheté une petite broche 3 plots en Ethernet, je l'ai branché et ça fonctionne. Donc il me suffira juste d'acheter un câble de 15-20 mètres Ethernet pour que je puisse me brancher sur ce plot et le brancher sur l'écran à l'arrière pour avoir également le radar sur les deux écrans. Parce qu'à l'origine, je voulais faire l'écran qui se trouvait à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe. J'aurais fait un master et l'autre en esclave. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Ça aurait été le reflet du premier, mais ce qui m'aurait été obligé d'allumer toujours le deuxième écran. Avoir deux écrans à allumer, qui est un peu ridicule. Donc je pourrais mettre directement l'écran vers l'extérieur qui me permettra d'avoir toutes les informations. Donc j'ai posé, quand j'avais acheté donc l'écran, il y avait ceci qui me permet justement de pouvoir découper exactement à la bonne dimension la plaque pour pouvoir le faire. Donc là je l'ai bien scotché et avec un cutter je vais bien faire le marquage sur la plaque qui va me permettre après avec la scie sauteuse mettre l'écran. Donc après là il y a 4 trous que je pourrais fixer, je mettrai du silicone etc. Et après les pattes, mettre le système de pattes arrière pour éviter de le retirer. Voilà, donc un petit peu de boulot, mais ça sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus, il y aura plus d'informations pour pouvoir naviguer à ce niveau-là. Bon, mais on arrive bientôt à la fin. Allez. Voilà. Fini. Elle est tombée. Je serai en mesure de pouvoir aller la récupérer. Pas de soucis. Voilà. Voilà l'encadrement. Alors là, je pense qu'il va falloir que je rabote avec une lime. Je vais la faire avec une lime. Je vais aller chercher l'aspirateur. Et je vais pouvoir aller chercher le 12 volts. Nickel, voilà. Oui,
On a la table à cartes électronique à poste maintenant, à côté des instruments de bord, c'est-à-dire profondimètre, girouette, anémomètre et le pilote automatique qui se trouve là. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à nettoyer, à faire les branchements, à ouvrir la trappe qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir faire tous les branchements. Allez, mais un bon coup d'aspirateur d'abord. Et voilà, l'écran mis sous tension, il fonctionne super avec toutes les informations, avec le pilote automatique, là l'audio, tac, cap à tenue de cap. Voilà. Du fait que je suis en NMEA 2000, l'écran a été, il est sur le réseau. Voilà. Et ça m'a, en 2 heures, c'était fait. Donc j'en suis super content. Une bonne chose de faite. Attends, on vient d'avoir le majordome du yacht qui vient nous voir pour nous demander de nous mettre sur le canal One Free, hein. Ouais, le... ouais. Seapearl, Seapearl, motor vessel Alabama, channel 13, over. Information, very close, too close for big boat. Alors t'appuies là. Pour parler. Pour parler. Hello? Je lâche. Oui. Bonsoir. Le bateau is too close. Too close to our position. Too close, que ça veut dire close? Can you tell me what you mean by close? I don't understand close. Is it too near you? Yes, too near. Too near with anchor. Anchor, c'est à l'ancre. Oui, il a dit qu'il est trop près de leur ancre. Ah non, mais nous, il n'est pas question qu'on bouge. Nous, on a mis 50 mètres de chaîne et on est bon. Hein. Parce que il faut dire que ce soir et demain, il y aura beaucoup de vent. Et le yacht qui est là-bas nous demande de bouger, mais ça, il n'en est pas question. Tiama étant ici, ah non, ça pardon, c'est 13, Tiama étant là, nous on est là, on est parti de notre mouillage où nous étions là, parce qu'on danse trop, hein. Déjà vous voyez, il y a déjà 23 nœuds de vent, entre 23 et 25 nœuds de vent, je vois pas ce qu'on peut les gêner, et donc le mini bateau est venu nous voir pour nous demander d'allumer notre VHF. Et là, Kiki est en train de discuter avec le capitaine du yacht. Mais bon. It's not possible for us. We have changed twice today. And. Non, il y a trop de vent maintenant. C'est la nuit. Too wind. We can't change our onshore. Pas de problème, soyez vigilant. Channel 16 out. Dis-lui. Ok. Dis-lui qu'on a une alarme de mouillage et que nous. We have alarm. Onshore. We will be vigilant. Parfait. Merci, madame. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors? Attends, on est loin quand même, faut pas mais déconner. Mais attends, il faut quand même. Non, non, mais. Faut pas déconner, on est loin d'eux. Hein. Pourquoi il te disait qu'on était sous son ancre? Qu'on était, que son ancre était près de nous, près de notre bateau. Mais bon. Ils ont dû mettre. Il le dit maintenant et. Oui, on a été là depuis. Il va nous prévenir dans l'après-midi. Parce que maintenant, il est quelle heure? Il est bientôt 19h. Il dit d'être vigilant. Oui, mais ça, nous le sommes. Mais nous sommes partis.
comme je l'ai dit, on est parti du mouillage parce que justement nous étions trop près d'un lagoon 50 et d'un gros voilier, etc. C'est vrai que s'ils voulaient nous prévenir, il fallait nous le dire ce matin, mais bon, là on va pas déplacer Sea Pearl pour leur faire plaisir. Peut-être y aurait-il des gens, on est trop près pour voir peut-être s'il y a des gens connus sur ce méga yacht. Telle est la question, je sais pas. Mais on est grosso modo au même niveau que le Outre-mer 13. Donc je vois pas où est le problème. Voilà, nous voici aux bases, on dit les basses, toujours à Virgin Gorda, dans les BVI, les îles Vierges britanniques. On a fait à la nage, voilà. La petite annexe se trouve juste devant le lagoon là-bas, et on est venu à la nage pour pouvoir profiter de ce site exceptionnel. C'est un parc naturel. C'est très beau et on vient d'arriver, on n'est pas au bout de nos surprises. Je l'espère.
On a fait la rencontre du catamaran plume. Ils ont été hier soir, ils nous ont dit que c'était vraiment à faire, donc on le fait. Et il y a d'autres amis qui nous l'ont dit également, qui nous l'ont vivement recommandé. Voilà, et cet après-midi, on change de mouillage et on va au nord de Virgin Gorda, qui va nous permettre de nous mettre dans le lagon, tout au nord. Mais déjà, c'est magnifique. Oh là là, le terrain de jeu pour les escaladeurs. Que vous êtes là, les escaladeurs en herbe. C'est pour ça que t'aurais mieux dû prendre les autres, hein, Vincent. Allez. Ah oui, c'est du granit. Eh oh. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Et regarde, s'il y a des escaliers, c'est que... Elle est où, maman? Wow. Hello. Bon, oui, mais elle est où, maman? Ben oui, vous pouvez vous baigner, oui. Hello. Magnifique, regarde. Tu vas pouvoir monter. Oh là là, la source de la vie. Elle est chaude. Attention à tes lunettes de soleil, Vincent. Comme c'est beau. Allez, on remonte. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de poisson. Bah, c'est difficile pour y aller. On dirait un canyon. Regarde la vague. Pour faire du rafting. Excellent. Ah, ça va bien ça. Ah, elle est belle. Non, cul-de-sac. Allez, on retourne. Magnifique endroit. Cette île se trouve Tortola. Et là, on est vraiment dans le parc naturel de Virgin Gorda. Magnifique endroit.